Bonjour et bienvenue à ce sixième et dernier module de la Google News Initiative. On a lancé cette série au mois d'octobre et on a donc passé six modules ensemble. Aujourd'hui, c'est le dernier. Bienvenue à vous. Bonjour Gilles, nous allons passer en revue les techniques de vérification d'images ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons notamment parler de ce challenge de vérification que j'ai lancé sur Twitter et sur LinkedIn autour d'une image puis d'une deuxième image puisque vous m'avez dit que c'était trop facile. Donc je vous ai fait un deuxième challenge. Donc voilà les formations que nous avons faites ensemble. Je vous redonnerai à la fin les liens pour revoir les précédentes formations. Concernait voilà différentes thématiques. La semaine dernière, on était sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, et on avait commencé avec Journalist Studio et Pinpoint autour de grosses quantités de données. Donc voilà, on a passé en revue quand même beaucoup de thématiques ensemble. Aujourd'hui, on est vraiment sur la vérification d'images. Donc ce module est organisé par la Google News Initiative dont je fais partie. Donc je fais partie du News Lab qui est sous ce grand parapluie de la Google News Initiative qui est axé sur trois piliers, la valorisation de la qualité journalistique qui est ce pilier dans lequel le News Lab intervient autour des formations en ce qui me concerne. Ensuite nous avons deux autres piliers qui sont l'évolution des modèles économiques vers une croissance durable et le renforcement des médias grâce aux innovations technologiques. Donc, elle est également axée sur trois grands programmes, donc les produits, les partenariats et les formations. Donc, vous voyez que le News Lab se situe vraiment dans cette partie formation. Donc, mon rôle à moi, c'est d'aider au maximum les journalistes à s'emparer des outils numériques qui peuvent les aider dans leur travail au quotidien. Donc, nous avons en ce sens mis en place un site de training. Donc, vous avez le lien où vous pouvez retrouver tous nos cours, toutes nos formations, soit par thème, soit par outil. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous créer un profil et faire un pas à pas à votre propre rythme qui sera à la fin sanctionné d'un petit quiz ludique pour voir si vous avez bien assimilé voilà, tout ce qui avait trait à cet outil. Donc aujourd'hui, on a appelé ça le challenge de la vérification donc qui tournait autour de ces deux photos dont je vous ai demandé de géolocaliser. Et je vous ai également demandé des petites informations associées, par exemple, pourquoi cet attroupement en bas à droite et puis qu'est-ce qu'on pouvait manger, par exemple, dans ces structures qu'on voyait sur la photo avec ces sièges dans ce restaurant. Donc, on verra, je vais laisser un peu le suspense, on verra les réponses tout à la fin. Entre-temps, on va axer cette formation sur... trois parties, une première partie plutôt autour de la vérification sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, comment partir de là pour enquêter. Ensuite, on fera un petit peu de recherche d'images inversées et à la fin, on fera un petit peu de géolocalisation et je vous montrerai à la fin comment, à partir de ces photos, on pouvait remonter le fil et retrouver le contexte et la date de prise de photos. Les réseaux sociaux, donc vous avez vu que j'ai posté ces challenges depuis Twitter, qui est bien souvent voilà, une des plateformes, un des réseaux sur lesquels circulent beaucoup d'images et beaucoup d'images que vous allez devoir vérifier et sur lesquelles vous allez devoir enquêter. Évidemment, il y a ces questions très, très simples, relativement basiques sur la crédibilité que vous pouvez accorder à ce compte. Donc évidemment, la date de création, ça c'est que des informations que vous pouvez retrouver, donc quand est-ce que le compte a été créé, évidemment tous les tweets antérieurs, d'où est-ce qu'ils viennent, qui suit cette personne et qui suit-elle, et puis est-ce qu'il y a des liens vers d'autres profils sur les réseaux sociaux, ça arrive parfois qu'il y ait des liens qui renvoient vers d'autres plateformes. Pour cela, vous pouvez également vous aider de la recherche avancée Twitter. Vous pouvez utiliser cet outil qui est quand même assez puissant pour aller regarder la viralité, par exemple, d'un hashtag, la viralité d'une information qui vient de sortir. Vous pouvez regarder les échanges qu'une personne a eu avec une autre personne. Voilà, et vous pouvez surtout quantifier le nombre de likes que vous souhaitez voir, par exemple, ne voir que les contenus les plus viraux, par exemple, autour d'un hashtag. Vous pouvez évidemment réduire à la date aussi, ce qui est très précieux quand vous enquêtez sur un événement passé qui a eu lieu et vous voulez voir quelle a été
quels ont été les échanges autour de cet événement un an auparavant, 2 ans auparavant. C'est quelque chose que vous pouvez filtrer grâce à la page de recherche avancée de Twitter. Vous avez également ces deux outils dont je vais vous parler. Le premier, Bottometer, et qu'on voulait vous mentionner, qui est un outil qui va vous générer un score de probabilité basé sur le comportement du compte Twitter. Donc, il va vous, il va estimer s'il s'agit plutôt d'un robot ou plutôt d'un humain, puisque comme vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de robots, beaucoup de structures qui vont tweeter automatiquement et qui ne sont pas des personnes humaines et qui peuvent, dans certains cas, autour de la désinformation et de la mésinformation, volontairement retweeter des informations inexactes ou malveillantes ou en tout cas qui ne sont pas vérifiées. Donc voilà, c'est un outil gratuit qui a été développé par l'Université de l'Indiana et que j'invite tout le monde à essayer. Deuxième outil dont je voulais vous parler également, c'est Oxy, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Oxy, c'est un outil également très utile qui va vous générer également des scores et qui va vous permettre de suivre la propagation d'une information sur Twitter. Donc, vous allez pouvoir voir et suivre sous forme de modélisation une information qui va circuler entre comptes et vous allez pouvoir visualiser quelle personne ou quel compte a contribué à l'amplifier et a contribué à la partager au plus grand nombre sur ce réseau et de quelle façon. Est-ce qu'il s'agit plutôt, vous voyez là sur cet exemple, on a les robots qui sont plutôt en rouge et vous avez les humains qui sont plutôt en bleu ou plutôt en vert. Donc, vous pouvez voir si volontairement ou involontairement, une information a été partagée et comment elle a été partagée sur le réseau social Twitter. Donc, voilà pour les outils qu'on pensait vous faire vous partager. Deuxièmes outils qui vont vous aider, ce sont les opérateurs de recherche. Donc, c'est pas forcément très connu. Je me suis dit qu'on allait en parler avec vous aujourd'hui. Donc, c'est utiliser tous les opérateurs de recherche. Donc, les opérateurs de recherche, j'en parle dans mes formations justement sur l'enquête en ligne. Ce sont tous ces filtres qui vont vous permettre d'optimiser vos recherches. Donc, évidemment, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, des types de fichiers spécifiques. Vous allez pouvoir aller chercher sur des sites spécifiques. Donc, c'est par exemple ce site de points. Et puis, vous allez accoler l'URL que vous souhaitez aller, sur lequel vous souhaitez aller enquêter. Et il y a également cette possibilité offerte depuis le moteur de recherche Google d'aller chercher dans des listes Twitter. Donc, des listes Twitter, ce sont des listes que pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des listes que des utilisateurs ont constituées et qui sont ouvertes et que vous pouvez consulter vous-même. Donc, ce sont des listes, par exemple, de thématiques qui vont regrouper, je ne sais pas, par exemple, les correspondants de presse à tel endroit, le rédacteur en chef, les gens travaillant dans tel secteur. Et ça va permettre aux gens qui ont constitué ces listes de ne pas se perdre dans leur feed Twitter et de retrouver par thématique les gens qui suivent et ne rien manquer des thématiques qu'ils suivent. Donc là, je vous ai donné cet exemple où la requête que je fais à Google, c'est d'aller chercher donc dans le site Twitter des résultats provenant de listes qui ont un mot-clé spécifique. Donc là, le mot-clé, je l'ai mis entre balises. Vous voyez médecin, mais vous pouvez utiliser cette requête exacte et la noter et remplacer le mot médecin par n'importe quel mot-clé que vous souhaiteriez chercher. Cela pour vous permettre de retrouver des comptes qui seraient dans des thématiques spécifiques sur lesquelles vous enquêtez. Voilà une des commandes. Je vais vous en montrer 4. La deuxième, c'est presque la même chose. C'est juste que ça va aller chercher dans le titre de cette... dans la balise titre de cette page le mot-clé que vous allez chercher. Donc là, j'ai mis par exemple le mot-clé PQR pour aller chercher directement toutes les listes qui ont été constituées par des gens autour de la PQR. Si vous cherchez à joindre un journaliste ou souhaitez aller regarder ce qui a été publié par tel ou tel média local, vous remplacez ce que j'ai mis PQR par votre propre mot-clé. Troisième possibilité, on en revient aux réseaux sociaux, c'est d'aller chercher, essayer de trouver le profil d'une personne sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, quand vous avez trouvé son nom, donc j'ai pris mon exemple,
quand vous avez trouvé son nom, vous pouvez aller indiquer à Google que vous allez aller chercher sur tel réseau, tel réseau, tel réseau. Et dans ce cas-là, vous utilisez cet opérateur site que je vous ai mentionné, qui est le même opérateur qu'on a vu sur les deux présentations précédentes. Et vous allez mettre les différents réseaux sociaux avec les URL des différents réseaux sociaux pour aller regarder les occurrences de cette personne sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous voyez là mes différents profils publics qui apparaissent sur Google. Vous pouvez essayer de le faire pour vous pour voir d'ailleurs quelle est votre trace sur le web, votre trace en tout cas de compte public. Vous pouvez également, ça marche aussi très bien, donc d'aller chercher sur Instagram. Donc, je n'ai pas mis Instagram sur les précédents exemples, mais vous pouvez aller chercher, par exemple, les interactions d'une personne sur Instagram. Donc, dans ce cas-là, vous allez indiquer le nom de profil de la personne. Donc là, j'ai pris cet exemple de Marlène Chiappa qui est assez active sur les réseaux sociaux, qui a notamment un compte Instagram et qui a, je crois, aussi un compte TikTok et qui est assez présente sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller regarder les interactions qu'elle a pu avoir avec les comptes sous lesquels elle a commenté et les interactions qu'elle a pu avoir avec des personnes sur ce réseau social. Pour cela, vous allez mettre le nom du profil de la personne. Donc, ça pourrait être marlène.chiappa, ça dépend du nom de la personne. Ensuite, vous allez dire à l'algorithme que vous voulez aller chercher sur Instagram, mais vous allez retirer, donc là, vous voyez le signe moins que j'ai accolé, et vous allez retirer le profil de cette personne, puisque sinon, ça va vous mettre par défaut le profil de la personne, puisque c'est là qu'elle aura le plus interagi sur son propre profil. Donc, vous allez dire à l'algorithme que vous cherchez toutes les mentions de Marlène Chiappa en tant que personne, en tant que nom d'utilisateur sur le site Instagram sans qu'on vous donne les résultats de son propre profil à elle. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Recherche d'image inversée, c'est évidemment généralement la première étape qui doit être faite lorsque vous vérifiez une image. C'est le réflexe que la plupart d'entre vous ont eu. Donc, bravo à vous. C'est souvent voilà la première étape d'aller regarder, en gros, si une image a déjà été publiée et en tout cas, si c'est pas l'image exacte, à quelle autre image elle ressemblerait et si on peut identifier un lieu comme ça. C'est évidemment tout à fait possible et c'est souvent la première étape qu'on peut faire. Donc vous allez évidemment sur le site de Google Images. Ça marche avec d'autres moteurs de recherche, évidemment, qui fonctionnent de façon similaire et qui ont des stocks d'images de la même façon. Donc, vous allez soit coller l'URL de l'image que vous avez copiée depuis le réseau social, soit importer directement une image. Donc, pour cet exemple, j'ai pris cette photo virale qui a circulé en juillet avec les dirigeants européens, donc vous en reconnaissez, vous reconnaissez Emmanuel Macron sur la droite, vous reconnaissez Angela Merkel au milieu, et puis les dirigeants italiens également sur la photo. Donc voilà, publication virale qui a été partagée plusieurs milliers de fois sur Twitter ou sur Instagram, en disant que voilà, les dirigeants se réunissent, mais ils ne mettent pas de masque et alors qu'ils demandent à leur population d'en mettre. Donc, je suis partie de cette photo très simplement pour vous montrer qu'en copiant l'adresse de l'image et en la collant dans Google Images, ça m'avait accolé des tags sur cette photo qui reconnaissaient Giuseppe Conte, Angela Merkel, Emmanuel Macron sur cette photo et me mettait le mot-clé Cena qui veut dire repas, dîner. Que cette photo, vous voyez ici dans les images similaires, elle est déjà apparue, soit exactement la même, soit sous un angle différent, soit a priori au même moment de la soirée. Vous voyez d'ailleurs qu'on tombe sur un autre fact-check qui a été fait ici, et puis sur des médias italiens. Donc en continuant la recherche et en passant plusieurs pages de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'articles italiens sur cette image qui dataient tous à peu près d'octobre 2018. Donc déjà, ça m'a donné une indication sur la première occurrence de cette photo. Et en cliquant sur ces articles, qui étaient donc des articles faisant autorité, de sources faisant autorité, Swiss Info ou RSI, on voyait que donc cette photo était donc la photo originale qui a été publiée
sur ces sites d'information, qui est donc une réunion bien avant le Covid et bien avant la crise sanitaire et le port du masque, dans lequel les dirigeants s'étaient réunis. D'ailleurs, c'est même une photo qui a été tweetée par le dirigeant italien sur son propre compte Instagram ou Twitter, je crois Twitter. Donc voilà, la photo originale provient de là. Elle a été détournée comme c'est souvent le cas. Mais une simple recherche d'image avancée vous permettait de retrouver l'original. Clem Review, je voulais également vous parler un petit peu de ça et je passe pas trop longtemps sur la recherche d'image inversée puisque c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous avez tous bien intégré. Vous savez comment ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne moins. Parfois, il faut essayer sur d'autres moteurs de recherche. Et parfois, bien souvent d'ailleurs, il faut rajouter d'autres étapes de vérification après qu'on va voir ensemble. Clem Review, je voulais vous en parler puisque c'est une nouvelle fonctionnalité qui est normalement qui était plutôt dédiée aux articles de fact-checking, qui a été étendue aux images qui ont été fact-checkées, que vous pouvez retrouver donc du coup dans Google Images. Donc, si vous cherchez, par exemple, si vous mettez vos mots-clés, donc là, c'est cet exemple qui a été publié sur le blog de Google quand cette fonctionnalité a été lancée au mois de juin dernier. Au mois de juin, oui, c'est ça. Enfin, pendant l'été, en tout cas, juin ou juillet. Et donc, vous avez maintenant cette possibilité de retrouver des photos qui ont été fact-checkées directement dans Google Images avec ce label, cette étiquette en dessous qui va vous dire si c'est vrai ou faux, en tout cas. Et puis, si c'est vrai ou faux assez rapidement. Donc, le résultat finalement du fact-checking. Et puis, qui a fait ce fact-checking? Donc, je vais vous montrer un exemple en français. Donc là, c'est cet exemple du requin qui réapparaît à chaque fois dès qu'il y a une inondation quelque part et dès que de l'eau s'engouffre dans les villes, notamment aux États-Unis, ce requin réapparaît et il est régulièrement vu sur l'autoroute, vu sur une petite route de campagne, vu en dessous un pont. Il réapparaît assez souvent dans des images manipulées. Donc là, c'est un exemple pris aux États-Unis, mais je voulais vous montrer qu'en France, la fonctionnalité existe également. Donc, je vais vous montrer, par exemple, cette photo. Donc, vous avez vu de Pelé, le footballeur qui se recueille sur la tombe de Maradona. Donc, vous voyez, j'ai tapé Pelé Maradona tombe. Donc, je vais actualiser. Et là, vous voyez que j'ai des résultats de fact-check qui ont été faits autour de cette photo puissante. Le roi qui se recueille sur la tombe. Quand vous cliquez dessus, vous voyez en dessous que vous avez cette petite boîte d'informations avec le fact-checking par quelle équipe. La déclaration, donc ce qu'on appelle le claim en anglais, et puis l'évaluation, donc le rating également en anglais, qui est assez clair, faux. La déclaration, c'est Pelé qui se recueille sur la tombe de Maradona. Et quel éditeur, quelle entité a fait le fact-checking? Donc voilà cette nouvelle possibilité. Vous retrouvez, c'est via ce système de claim review qui est donc... une méthode d'édition ouverte qui donne aux éditeurs et à différents acteurs du fact-checking la possibilité d'apporter leur éclairage sur les photos et sur les articles, enfin via des articles. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans le fact-check tool. C'est la même API. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver généralement des photos qui ont été fact-checkées sur ce moteur de recherche qui s'appelle le Fact-Check Explorer. Ce seront à peu près bien souvent les mêmes que vous allez retrouver dans le Google Images et qui auront ce label apposé de fact-check. C'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver, par exemple, dans Google News. En bas à droite, vous avez cette partie fact-check. Quand il y a eu des fact-checking d'actualité qui sont faits, ils remontent dans cette partie à droite de Google News. Donc, Fact-Check Explorer, c'est là où vous allez retrouver tout. C'est un moteur de recherche dans un moteur de recherche. Et c'est là où vous allez retrouver tous les fact-checks qui ont été faits autour de thématiques. Donc, c'est à vous de les rechercher. Donc, par exemple, on peut mettre Maradona. Et on tombe directement sur les fact-checks qui ont été faits autour de cette photo. Donc là, il y a eu 4 fact-checks autour de Maradona. Je vous disais que c'était les France 24. France 24 qui avait fait en tout cas cette photo, ce fact-check autour de cette photo sur lequel on a cliqué. Mais voilà, il y en a d'autres. Là, vous voyez que c'est l'AFP factuel. Hop, donc on peut aller voir l'article.
Et donc voilà, tout ça vous explique pourquoi, etc. Et en fait, c'était en fait un photomontage. Je pense que vous allez retrouver tous les liens dans la fenêtre à droite. Pour l'implémentation, c'est très simple. Donc, si vous êtes un éditeur et si vous souhaitez apparaître sur ce moteur de recherche d'articles de fact-checking, l'implémentation est assez simple. Il faut travailler de concert avec votre développeur et suivre le pas à pas qui a été mis en place, un pas à pas simplifié, qui, avec un système de balises, va reconnaître que votre article est un fact-checking et qui peut l'indexer sur ce moteur. Géolocalisation. Donc, voilà un petit peu notre dernière partie de conseil avant que je passe aux photos. La géolocalisation, c'est évidemment maintenant devenu une partie essentielle de tout fact-checking sur toute photo, où évidemment, le moindre détail va compter, le moindre point de référence, le moindre monument, finalement, que vous allez pouvoir identifier quelque part sur le côté, la moindre plaque d'immatriculation, écriture, inscription, va vous aider à aller plus loin dans le fact-checking. Il va falloir explorer et exploiter surtout tous les détails que vous pouvez avoir au sein d'une vidéo ou une image. Donc là, je vais vous parler de cet exemple dont on va vous montrer un court extrait qui a été réalisé donc par Forensic Architecture et commandé par le site d'information égyptien Madame Asser. Autour de l'explosion, la double explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth en août de cette année. Donc c'est Forensic Architecture, donc c'est un collectif de journalistes, mais pas seulement, c'est un collectif qui est constitué de développeurs, d'architectes, de plusieurs personnalités avec des casquettes différentes et qui étaient habitués à travailler avec des ONG pour faire des reconstitutions d'événements. Et on leur a commandé donc cette modélisation en 3D au cours de laquelle finalement ils ont récupéré toutes les vidéos, puisque vous avez comme moi j'imagine vu beaucoup de vidéos circuler autour de cette double explosion qui était extrêmement spectaculaire, et ils ont récupéré toutes les vidéos et ils ont réuni également les témoignages des personnes qui étaient situées à tel endroit et qui avaient filmé depuis tel endroit. Ils ont recoupé toutes ces informations et ils les ont évidemment, ils les ont vérifiés, ils les ont recoupés, et ensuite ils ont réalisé une modélisation seconde par seconde de cette double explosion. Donc c'est un travail remarquable, vraiment remarquable qu'on va vous montrer. Et en fait, il permet de visualiser tout ce qui s'est passé et à quel endroit, et la deuxième explosion, pourquoi et à quel endroit de l'entrepôt elle a dû possiblement arriver. Donc, on va vous montrer cette vidéo tout de suite. Donc, c'est une courte vidéo de 1 minute. Et du coup, c'est qu'un extrait. Donc, je vous encourage à aller regarder la suite si ça vous plaît. On va vous donner le lien, je crois, qui est dans le chat. Je vous retrouve tout de suite. Shortly after 6 p.m. on August the 4th, an explosion ripped through the port of Beirut. It killed more than 200 people, wounded over 6,500, and destroyed large parts of the city. Forensic Architecture was invited by MADAMAS to examine open source information, including videos, photographs, and documents, to provide a timeline and a precise 3D model to help investigate the events of August the 4th. The model is available via this link. The first photograph of the warehouse on fire was uploaded to Twitter at 5:54 p.m. We carefully geolocated this photograph by identifying the key buildings and calculated the camera's cone of vision. Donc voilà, vous avez vu, c'est fascinant, ça dure, je crois, la vidéo dure un peu moins de 20 minutes, peut-être 12 minutes, je ne sais plus exactement. On vous a mis le lien de toute façon pour que vous alliez le regarder, mais vous avez tout le détail de la méthodologie qu'ils ont employée et comment ils ont travaillé pour modéliser notamment l'incendie et la fumée. Donc ils ont même réussi à modéliser
la fumée, ce qui est vraiment remarquable. Et voilà, Forensic Architecture pour donc travaille généralement avec des ONG et sont spécialisés donc dans la modélisation et la géolocalisation. Et c'est notamment eux qui ont également travaillé en 2016 avec Le Monde et qui ont réalisé une vidéo qui reconstituait la mort, qui reconstituait les événements qui ont conduit à la mort d'Adama Traoré grâce notamment à l'analyse de la vidéosurveillance. Donc c'est pareil, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site du Monde et qui est là aussi remarquable. Les résultats. Donc on va voir le pas à pas des images que je vous avais demandé de fact-checker et de géolocaliser principalement. Donc voilà les deux images pour ceux qui se souviennent pas ou pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le questionnaire. Donc la première image que je vous ai demandé de localiser à gauche, la deuxième image que je vous ai demandé qui était peut-être un peu plus alors mince, c'est pas tout à fait celle-là, c'en est une autre, mais on la verra après. J'ai oublié de changer, c'était un point de vue de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc le premier challenge, évidemment ce que vous avez fait en priorité. Donc certains ont fait appel à leur mémoire puisque certains d'entre vous connaissaient ce lieu. Mais la première étape, même si on le connaît, c'est quand même de vérifier via une recherche d'image inversée qu'il s'agit bien de cet endroit-là. Donc là, c'était une photo que j'ai prise moi-même. Donc c'est pas une photo qui pouvait exister dans un stock. Ceci dit, pas mal de photos similaires ont déjà été prises par des personnes. Donc l'algorithme a retrouvé des photos similaires de cet endroit et a retrouvé Grand Contrôle, qui est donc ce lieu de vie un peu hybride qui a été installé à divers endroits de la capitale et qui, plus récemment, a été installé dans un endroit du sud de Paris. Donc, la recherche d'image inversée m'a amené sur Grand Contrôle, mais si ça n'avait pas marché, on continue comme si cela n'avait pas marché. Donc, évidemment, la deuxième étape, ça va être d'observer les détails, les panneaux et les écriteaux, ce que je vous avais expliqué juste auparavant dans la géolocalisation. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs écritures sur cette structure qui finalement est un bus RATP. Quand vous regardez bien, et pour ceux qui connaissent Paris, savent que c'est un bus RATP. Donc vous regardez bien, vous voyez qu'il y a écrit Dochas à trois endroits différents. Pour vous aider à zoomer, vous avez évidemment vos propres lecteurs d'images sur vos ordinateurs. Vous avez également cet outil InVID qui peut vous aider à zoomer. Donc là, je vous en parle dans le cadre d'une photo. Mais généralement, c'est un outil qui sert à vérifier des vidéos puisqu'il vous permet, avec cette fonctionnalité d'image clé, de découper une vidéo en plein de petites images, plein de petites vignettes. Et ces vignettes vont être ensuite vérifiées au sein de Google Images et du moteur de recherche qui va vous ressortir les possibles occurrences qu'il y a autour de cette vidéo. Donc là, on va prendre l'outil Loop qui vous permet donc de zoomer à l'intérieur d'une vidéo ou d'une photo. Donc, ce que vous avez à faire, c'est simplement envoyer le fichier que vous avez préalablement enregistré. Vous cliquez sur Envoyer et vous utilisez cette loupe. Et là, donc avec votre curseur, en fait, il va zoomer les endroits que vous souhaitez voir agrandis. Donc, c'est voilà, un outil très simple d'utilisation. Évidemment, c'est un outil gratuit et c'est donc un plugin que vous pouvez installer soit sur Chrome, soit sur Firefox et qui vous permet une foule de possibilités sur la vérification d'images. Ensuite, une fois que vous avez réussi à lire, par exemple, cette crypto, vous allez chercher sur Search et vous allez accoler Docha Restaurant, puisque vous avez vu que ça servait des nanes en zoomant sur ce panneau. Donc, voilà là, une des autres réponses. Une autre bonne réponse était également la cuisine traditionnelle aux épices indiennes ayurvédiques que vous voyez dans cette réponse-là. Ici, bon, en tout cas, c'était assez facile en continuant de trouver quel était le nom de ce restaurant. Et là, du coup, sixième étape, on peut vérifier sur Google Images que le visuel qu'on a correspond au visuel que les autres personnes ont pu prendre de cet endroit. Vous voyez là tout de suite que le panneau jaune en haut est exactement le même. Vous voyez également ici que
que le bus a les mêmes décorations et voilà, est exactement le même, en tout cas apparaît comme le même. Vous trouvez l'adresse assez rapidement également. Vous allez sur Maps vérifier que les photos qui ont été prises peuvent ressembler à cet endroit-là. Et puis, on va continuer et on va aller dans Street View, en fait, pour aller comparer tous les détails et vérifier qu'on est bien à cet endroit-là et qu'on est bien devant ce restaurant. Donc, évidemment, on va s'aider de tous les indices qu'on peut avoir dans cette photo. Donc là, vous voyez qu'il y a différents indices autres que les écriteaux. Il y a évidemment les bâtiments qui sont sur le côté. Il y a tout ce qui va être végétation et également les motifs au sol qui sont reconnaissables. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'avais choisi cette photo, c'est que c'est un des autres indices qui est intéressant de regarder parfois le sol des lieux. Donc, la vue sur Street View, la vue dans Earth et Street View vous permet de dézoomer et d'obtenir un point de vue, en fait, au-dessus du lieu et d'examiner où on est situé et si on est dans le bon champ et si, a priori, il s'agirait du même endroit. Comment dater ? Donc là, on a vu qu'on avait trouvé l'adresse, on a trouvé le lieu. Maintenant, comment savoir depuis quand existe cet endroit ? Donc évidemment, il y a la possibilité de chercher sur Search et de dire depuis quand existe Grand Control. Donc là, étonnamment, je n'ai pas eu beaucoup de réponses exactes. Donc je vais vous montrer comment dater avec Street View. Donc c'est très simple. Il suffit d'aller en fait, en réalité, sur l'adresse. L'adresse du lieu et d'aller cliquer sur cette petite horloge qui vous permet de voir les précédentes prises de vue au même endroit. Donc, on peut y aller ensemble. Hop, avec vous. Et je vais aller mettre un contrôle qui va me retrouver rue du Charolais. Donc, je vais aller, voilà, avec vous. Voilà. Et une fois que, donc là, vous pouvez zoomer, on va y aller ensemble. Donc, je voulais vous montrer également la possibilité de mettre votre petit Pegman et d'aller regarder. Mais Grand Control est un lieu fermé. Donc, vous pouvez pas, vous n'aurez pas le passage de la voiture à l'intérieur ou le passage d'un vélo qui a pu prendre les images. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ce sont les photosphères. Donc là, vous voyez, ce sont les petits ronds bleus qui, sont des photosphères prises par des utilisateurs qu'ils ont mis en ligne. Donc, vous pouvez vous mettre sur celle-là, par exemple, prévisualiser celle-là en regardant voilà ce que la personne a mis. Donc, celle-là, a priori, on pourrait aller regarder de l'intérieur. Mince alors. Je reviens en arrière. Il ne m'a pas mis au bon endroit. Donc, hop, je vais me décaler un petit peu. Donc, vous prenez ce petit bonhomme. Donc, il y a cette photosphère. Il y a celle-là éventuellement. On peut aussi aller sur celle-là pour regarder ce que la personne a pris comme image. Donc là, d'ailleurs, on voit assez bien l'intérieur pris par cette personne. On peut vérifier le sol, on peut vérifier les végétations. Mais vous voyez que c'est que un 360 et qu'on ne peut pas aller plus loin. Il va falloir revenir en arrière pour aller plus loin. Et si j'essaye d'aller devant, donc là, je vais aller devant, juste devant le Grand Control. Donc, qui est là, voilà. Je vais mettre devant ici. Donc là, je suis devant, je reconnais le lieu. Et ici, vous allez utiliser cette petite horloge et vous allez pouvoir revenir en arrière. Donc, par exemple, là, on a une photo du même endroit en février 2019. Vous allez pouvoir aller de plus en plus loin. Donc là, vous voyez qu'en 2014, il n'y avait toujours rien devant cette porte. Donc, il y en a qui ont mis 2013. Donc non, malheureusement, 2013, ce n'était pas la bonne date. Là, vous voyez, je suis même en 2015. Il n'y a toujours rien posé devant la porte. Là, j'allais voir en 2016, idem, toujours rien. Là, je vais aller voir en 2017 et vous voyez que devant la porte, le gros bidon est là. Et donc, possiblement, cette année-là, en tout cas, entre septembre 2016 et août 2017, il y a eu l'apparition de ce lieu. Donc, vous voyez là comment dater. Donc, déjà, vous avez une indication. Vous savez que ça a été c'est forcément après septembre 2016 et forcément au moins août 2017, voire avant. Et puis ensuite, j'ai été vérifiée sur Google et j'ai trouvé cet article du Grand Paris assez rapidement avec cette ouverture datant de mai 2017. Pendant au moins 2 ans, je pense que du coup, ils ont prolongé puisque c'était encore ouvert cette année avant le confinement. Puisque en fait, cette photo date de cette année.
Comment retrouver la date de publication d'une photo? Donc, pour ça, vous allez devoir aller explorer les données EXIF. Donc, qu'est-ce que c'est les données EXIF? Ce sont les données qui sont relatives à chaque photo, chaque image qui est sur Internet, donc chaque photo prise par quelqu'un. Donc, sachez, ceci dit, que depuis Twitter, vous n'auriez pas pu les retrouver parce que les réseaux sociaux suppriment en fait ces données. Donc, soit vont les étirer, soit vont les supprimer, soit vont les modifier. Donc, vous n'allez pas pouvoir, depuis Twitter, en tout cas, facilement retrouver ces données EXIF. Donc, EXIF, ça veut dire en fait Exchangeable Image File. Donc, c'est en quelque sorte la carte d'identité d'une image dans laquelle vous pourriez retrouver, par exemple, le modèle d'appareil qui a été utilisé pour prendre cette photo, la taille de cette photo, est-ce qu'elle a été retouchée avec Photoshop, et puis surtout la date de prise de cette photo avec l'heure exacte de prise de cette photo. Et quand vous essayez de trouver, donc quand vous cherchiez sur cette photo, vous auriez dû regarder que j'avais mis donc un petit lien pour aller directement, que j'avais donc uploadé cette photo sur un site. Et vous pouviez regarder cette photo et examiner les données EXIF de cette photo via ce site. Donc, vous pouviez retrouver la prise de photo et la date de prise de cette photo qui, en réalité, datait de juste avant le confinement du 6 mars à 14h, où j'avais donc pris cette photo à cette heure-là. Donc, voilà les données EXIF. Cet outil sur lequel j'avais uploadé ces photos vous permettait de les retrouver. Après, vous avez d'autres manières de les retrouver. Je vous ai mis quelques sites qui vous permettent de retrouver aussi les données EXIF, ou en tout cas d'examiner une photo en détail et de regarder s'il y a eu des manipulations dans une image. Donc, évidemment, le premier outil qui est peut-être le plus connu, c'est le Jeffers EXIF Viewer, qui vous permet d'aller regarder les métadonnées autour d'une photo, qui est aussi gratuit. On pourra vous mettre les liens dans le chat. Et vous avez également EXIF Viewer qui va vous permettre de la même façon d'aller regarder les données EXIF d'une photo. Et enfin, je vous ai mis ce troisième outil qui s'appelle Photo Forensic, qui va examiner les anomalies autour d'une photo et quelles retouches il y a pu y avoir dans une photo. Donc voilà pour la partie image. Vite fait, je vous montre comment on pouvait fact-checker cette deuxième photo que j'ai postée, que j'ai également prise moi-même, sur laquelle voilà, il y a plusieurs. Plusieurs détails que vous pouvez regarder. Donc les trois détails qui m'ont suffi en fait à retracer en fait l'origine de cette photo, c'était ça. Le premier, c'était Deli et Sia. Et puis j'ai accolé le mot salon, puisqu'évidemment on voit qu'il y a un hangar et qu'on est possiblement dans un événement public. Donc j'ai mis salon, comme j'aurais pu mettre finalement événement. Lieu public, voilà, vous pouvez tester plusieurs mots-clés. Et là, j'ai retrouvé deux occurrences qui parlaient du salon d'agriculture. Donc, assez rapidement, on a quand même des indications. On voit que ce lieu est aussi présent dans des gares, cette sorte de point de restauration. Ensuite, j'ai pris ces deuxièmes indices qui écrivaient donc 3. Donc, on comprenait qu'on était dans un hall ou un hangar. Donc, j'ai tapé hangar et j'ai tapé exactement ce qu'il y avait écrit « Produits et saveurs de France ». Pour voir ce que ça pouvait me donner. Et là, vous voyez que les premiers résultats, encore une fois, m'ont amené vers les sites du salon d'agriculture et de cet événement. Donc, assez simplement, j'en ai déduit qu'on était au salon d'agriculture. Ensuite, je suis allée sur, évidemment, Google Maps et j'ai fait des vues de haut du salon. Donc, là aussi, comme c'était un lieu public mais fermé aux voitures, il n'y avait pas de visibilité vraiment depuis le point de vue du piéton sur les bâtiments, à part des photosphères faites par des visiteurs à différents moments. Alors pas forcément au salon de l'agriculture, j'ai trouvé des photosphères avec par exemple des voitures autour du salon de l'automobile, mais donc je me suis un peu éloignée, je suis restée un petit peu un peu plus haut autour des bâtiments. J'ai été vérifier que le bâtiment 3, vous voyez ici, ressemblait bien au bâtiment qui était sur ma photo. Donc, ça ressemblait. Il y avait ces petites lumières bon, qui étaient avec la modélisation satellite qui était un peu qui n'avait pas tout à fait la même apparence, mais on était aux mêmes endroits avec les mêmes,
les mêmes repères visuels. Donc voilà, j'en ai déduit qu'on était à cet endroit-là précisément. Et pourquoi l'attroupement? Donc si vous retrouviez les données EXIF, donc c'est pareil, j'avais mis le lien où vous pouviez aller regarder les données EXIF. Si vous tapiez Salon d'agriculture 22 février, vous voyez qu'il y avait Emmanuel Macron qui était en visite ce jour-là et qui avait décidé de faire un petit bain de foule au milieu, d'où l'attroupement de ces personnes au même endroit qui prenaient tous des photos. Et si on zoomait, d'ailleurs, on voyait des gens qui avaient des téléphones et qui essayaient de prendre des photos. Donc, on était même au-delà du salon et de la fréquentation normale de ce salon qui est assez importante. Il y avait cet événement en plus. Donc, les gagnants, les personnes qui ont répondu les plus vite. Donc, Gilles, même si il n'y a pas eu toutes les étapes que j'ai mentionnées aujourd'hui, il y a eu la plupart des étapes et voilà, le plus rapide. Et pour le deuxième challenge, donc Casanova, joli pseudo, et qui a réussi à retrouver avec exactement la même déduction que je vous ai faite, qui n'a pas été aussi loin sur cet attroupement, mais qui a eu exactement les bons réflexes de réflexion autour de la vérification de cette image. Donc, bravo à vous. Bravo d'avoir relevé ce challenge. Autre outil et ressources. Donc là, on arrive à la fin de cette formation. On voulait vous partager quelques outils supplémentaires qui peuvent aider vos enquêtes et vos vérifications d'images et de vidéos. Vous avez bien sûr SunCalc, dont je parle parfois dans les formations pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, SunCalc, c'est un outil qui va vous permettre de retrouver la localisation d'une photo ou d'une vidéo à partir de son ensoleillement ou des ombres qui apparaissent sur les images. Donc, ça paraît un peu incroyable comme ça. Mais si vous voulez essayer en tout cas cet outil, sachez que Bellingcat a mis en ligne récemment un guide qui s'appelle « Using the sun and the shadows for geolocation ». Et donc, ils utilisent une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux prise à Lisbonne, avec où on voit clairement le soleil à tel endroit de la ville. Et donc, ils partent de là pour essayer d'estimer à quel endroit cette vidéo a été prise avec cet outil de SunCalc. Donc, c'est pareil, extrêmement puissant et précis. Ça permet aussi de réduire nos recherches à certaines localités dans une ville, à certains lieux. Donc voilà, il y a tout un guide. Je pense qu'on peut vous mettre également le lien dans le chat. Mais voilà, comme ce guide a été publié récemment, on s'est dit qu'on allait vous en parler. Vous avez également plein d'autres articles qui ont été faits par Bellingcat, donc ce collectif de journalistes d'investigation qui utilise donc le renseignement en source ouverte pour vérifier des vidéos, pour vérifier des photos et pour faire des enquêtes. Vous avez notamment toute une enquête sur le ralentissement de l'économie et tout le vrai et faux du premier confinement avec les avions qui circulaient ou pas. Est-ce que la pollution avait vraiment réduit le bruit, etc. Donc, ils ont pris tous ces outils-là pour faire un fact-check de toutes ces affirmations qui circulaient sur les réseaux. Vous avez récemment un article qui a été publié sur les aides au restaurant avec l'aide de la cartographie, notamment aux États-Unis. Et puis, vous avez une grosse enquête qui avait été publiée en 2015, notamment par ce même collectif qui existe déjà depuis quelques années, et comment ils avaient retrouvé une des personnes qui avait perpétré un attentat suicide à Paris. Donc voilà, deuxième autre ressource, donc toutes les ressources de First Draft, évidemment, qui sont pleines d'astuces et pleines de pas à pas aussi et d'informations sur le web social et puis comment enquêter sur le web et voilà, avec ce guide qui a été publié en mars justement sur comment collecter des informations sur le web, qui est très riche et qui est surtout en français. Donc, disponible en accès libre, je crois en format PDF. Et enfin, vous avez donc cette boîte à outils de Bellingcat qui a été mise à jour récemment également. Vous avez donc tous les outils qu'ils utilisent pour leurs enquêtes qui sont répartis par thématique. Donc, évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment, tout ce qui est mouvement maritime, tout ce qui est mouvement aérien avec les avions, comment retracer des activités ainsi, comment utiliser des données géospatiales. Vous avez tout dans cette boîte à outils qui est également sur ce lien qui est disponible. Et puis, si vous voulez vous frotter un peu plus à tout ce qui est quiz de vérification, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le Quiz Time.
qui a été créée par Julia Bayer, une journaliste allemande, et qui maintenant publie chaque jour un nouveau challenge de géolocalisation avec une photo que vous devez géolocaliser. Et voilà, un format assez ludique pour s'entraîner aussi au quotidien. Si vous voulez revoir nos formations D&I Live, donc toutes celles que je vous ai mentionnées qui sont passées, donc les cinq précédentes, là, celle-ci étant la sixième, vous avez donc la possibilité de les revoir sur notre centre de formation. Il y a une page dédiée où il y a écrit D&I Live et vous pourrez vous retrouver par date toutes les formations qu'on a faites en cliquant juste sur les liens. Vous avez également sur YouTube, sur la chaîne de la Google News Initiative, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, des playlists qui sont constituées au fur et à mesure et sur lesquelles sont ajoutées toutes les formations qu'on fait dans des langues. Donc là, si vous cliquez sur la playlist en français, vous allez voir toutes les formations qu'on a données depuis le premier confinement, depuis le mois de mars. Et vous pourrez retrouver voilà, ces formations en langue française à cet endroit-là. Évidemment, je vous rementionne donc notre site qui est notre site de formation sur lequel vous retrouverez des cours, notamment un cours sur la vérification avec un pas à pas, également avec la vérification d'image, la vérification de vidéo. Vous pouvez aller encore plus loin et suivre avec des captures d'écran voilà les étapes. Et puis enfin, je vous redonne nos mails. Donc ce premier mail générique NewsLab Support qui vous sert à joindre le NewsLab, à poser des questions sur un outil ou voilà si vous cherchez à nous joindre plus généralement sur l'entité du NewsLab et de la Google News Initiative. Et sinon, si vous souhaitez organiser une formation pour votre rédaction, pour vos journalistes via Google Meet, donc en distanciel pour le moment, vous avez mon mail, donc palucière@google.com pour organiser ça au sein de votre rédaction et selon des thématiques qui vous seront qui seront intéressantes pour vous. Donc merci beaucoup de votre attention, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis belle fête de fin d'année et à bientôt. Merci.